très loin puisque c'est le jour de l'adoption. Alors Églantine, comment s'appelle ton adopté du jour? Comment s'appelle ton compagnon? Eh bien les amis, aujourd'hui je vous présente Bloom. Tu veux bien regarder un petit peu la caméra là? Regarde. Bloom est un chien qu'on a retrouvé abandonné. C'est aujourd'hui le refuge de Saint-Pierre-du-Mont qui l'a recueilli. Il a environ 5 ans. On suppose que c'est un croisé de border collie et de berger australien. C'est un chien qu'on m'avait dit être très peureux. Finalement, il ne l'est pas du tout, mais il est extrêmement calme. Ce qui fait que depuis 6 mois, eh bien, dans le refuge, personne ne s'y intéresse parce qu'il se met dans un coin. Et en fait, il lui faut une famille d'accueil, évidemment. C'est un chien qui devrait être très très bien dans une famille avec enfants. Il faut donc l'adopter. Je vous rappelle que dans le refuge, il est vacciné, il est tatoué, il a même un passeport européen. Vous pouvez voyager avec Bloom, qui n'attend plus qu'une famille qui vienne l'accueillir. Alors je compte sur vous, tout comme je compte sur les nombreuses personnes qui ont déjà téléphoné pour le petit chien, l'adorable Joe, que je vous ai présenté la semaine dernière. Il y a déjà eu des appels, mais l'adoption n'est toujours pas finalisée. Donc n'oubliez pas de contacter le refuge en question. On vous remet l'adresse sur facebook.fr. Et puis, puisque je parle de refuge, je voudrais vous emmener maintenant dans un refuge d'un tout autre genre qui s'occupe entre autres de la préservation d'un petit oiseau qu'on connaît très très bien dans la région. Il a longtemps fait partie d'une tradition culinaire locale. Il s'agit de l'ortolan. L'ortolan est désormais protégé. Nous avons eu la chance d'assister à la mise en liberté de quelques-uns de ces oiseaux. Regardez. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Tristan. Il va relâcher en pleine nature un animal rare. Le voilà dans le creux de sa main, un ortolan. Cet oiseau chanteur du sud-ouest est très convoité pour ses qualités gustatives. Résultat, il ne resterait plus que 15 000 couples d'ortolans en France. Ils sont chassés pour leur goût, en général, ils sont mangés dans les landes. Donc c'est un oiseau qui a atteint un statut de protection par rapport à cette chasse-là. Donc nous, on est amené à faire de la saisie sur ce domaine-là pour les récupérer et les remettre en liberté. Grâce au centre de soins où travaille Tristan, ceux-ci ont réussi à échapper à la casserole. Mais avant de pouvoir les relâcher, il faut déjà réussir à les attraper. Et l'opération est loin d'être simple. C'est un oiseau qui est vif, hein. Avec méthode et patience, Tristan réussit à capturer une vingtaine d'ortolans. Il les amène ensuite à l'infirmerie. Avec son collègue Jérôme, il les identifie grâce à leurs bagues et surtout vérifie s'ils sont en bonne santé. On s'assure que tous les oiseaux volent. Déjà, ça c'est la première chose. Et ensuite, on regarde l'état d'embonpoint, on regarde l'état du plumage. Que là, on est sur des oiseaux migrateurs. Il y a un moment où il faut qu'ils partent parce qu'on a une fenêtre météo et une fenêtre migratoire. Il est donc important de les relâcher au moment de la période de migration. Sinon, ils vont devoir encore patienter 1 an avant d'être remis en liberté. Soigneusement placés dans l'obscurité des cartons, les oiseaux sont enfin conduits vers le lieu de leur envol. Allez, hop, on va s'approcher le plus possible du champ. Un moment important pour Jérôme. C'est l'aboutissement du travail qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, c'est un peu galère. Ça prend du temps, on commence tôt le matin, on termine tard le soir, la problématique climatique qui se met là-dessus. Donc en fait, de lâcher, c'est le moment où finalement, c'est le résultat du travail accompli. C'est quand vous voulez. Allez, hop, et voilà. Ça part tout seul. Malheureusement, un des ortolans n'a pas réussi à partir. Trop faible, il devra attendre l'année prochaine pour prendre la clé des champs. Il faut donc rappeler que la chasse à l'ortolan est désormais interdite dans toute l'Europe. Je sais que ce n'est pas facile, surtout dans cette région, puisque l'ortolan fait partie de l'identité culturelle. Mais voilà, l'espèce est réellement menacée d'extinction à cause de l'agriculture qui a réduit son habitat, à cause de la chasse également. Elle est en déclin fort, en déclin constant, et elle est protégée officiellement depuis 1999. Bon.